Ronny Martens, vous allez présenter Octo King dans le quintet de lundi à Saint-Cloud. Le cheval a dû vous satisfaire la dernière fois à Marseille. Oui, le cheval, on le connaît, il connaît ses valeurs, donc il a confirmé ses valeurs. Voilà, donc il est dommage qu'il ait échoué de peu pour la victoire. Oui, oui, après, bon, voilà, la pouliche, on a gardé beaucoup de poids dans un terrain lourd, ça fait la différence. D'accord. Donc, en ce début de saison, il va profiter de son état de forme avancé par rapport à certains adversaires. Oui, certainement, oui. Le cheval, il est bien, il est revenu à son meilleur niveau, donc. Logiquement, une confirmation est attendue, alors. Ben, je pense que le cheval, il a son mot à dire dans ce genre de compétition. Donc après, bon, faut voir s'il n'y a pas des chevaux en bas qui sont très bien placés. C'est les courses de 4 ans. Il y en a encore qui se retrouvent bien placés au poids, parce que c'était des chevaux qui sont venus sur le tard. Donc c'est jamais évident, mais c'est sûr qu'il a certainement son mot à dire. La dernière fois, le terrain était pénible à Marseille. Si le terrain est moins pénible, ce serait gênant ou c'est un cheval qui s'adapte à tout? Non, c'est un cheval qui a été performant dans tous les terrains. C'est surtout que c'est un cheval de gazon. Il n'aime pas la fibre. D'accord. C'est pour ça qu'il avait fait une contre-perf à Cagnes. Du moment que c'est du gazon et un grand champ de course, qu'il puisse développer sa grande action, je pense que c'est le principal.